Hello tout le monde et bienvenue à ma nouvelle vidéo. J'espère que vous avez eu une bonne journée ou vous allez avoir une bonne journée. Oui, j'ai un autre fond. C'est à cause de la lumière en fait. Donc si ça vous plaît mieux, je le ferai toujours ici. Et donc je vais ouvrir vos questions que vous m'avez posées. Et donc, let's go. Donc, ma première question, c'est d'un pote. C'est, quelle est ta boisson préférée? Ma boisson préférée, enfin, je bois plus souvent de l'eau, mais si je bois pas de l'eau, ça serait peut-être, je crois, du Coca ou du 7-Up. Un des deux. Après, il m'a posé deux questions. Que fais-tu si le mec que tu détestes, le plus, se change et devient le mec de tes rêves? Je hurlerai. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que je ferais. Je crois que je hurlerai et je serais choquée. Je crois que ça serait ça. Ok, donc maintenant la prochaine question, enfin j'en ai trois, de Emily. Donc c'est Emily. Donc la première c'est, enfin c'est des audios donc je vais écouter. Alors pourquoi tu fais des vidéos? Enfin comment t'es venue sur l'idée de faire des vidéos? Et puis après ce que je vais... Donc comment je suis venue à l'idée de faire des vidéos, c'est qu'en fait j'ai vu des youtubeuses qui l'ont fait. Et donc, ça m'a amusée. Il y a plein de youtubeuses qui ont dit oui, c'est stressant, etc. Et moi, je me suis dit, ça pourrait pas être si stressant que ça. Donc, j'ai commencé à faire YouTube. Et donc, j'ai remarqué que c'est quand même pas si facile que ça. Parce que, en fait, tes vidéos peuvent que être 15 minutes. Le plus longtemps, 15 minutes maximum. Et donc en fait j'ai des vidéos que je pouvais pas mettre sur YouTube parce qu'ils duraient plus que 15 minutes. Donc en fait j'ai mis toutes mes vidéos sur YouTube, mais il y a des passages qui sont que je voulais laisser dedans, mais d'un côté qu'ils étaient inutiles pour les 15 minutes que j'ai effacées. Voilà. Donc en fait dans mes vidéos vous n'avez pas tout tout su et c'est ça ce qui est dommage. Ok, prochaine question d'elle, c'est et puis après ce que je vais te demander, qui est ta youtubeuse ou ton youtubeur préféré? Donc ma youtubeuse préférée c'est Bibi's Beauty Palace, Dagi B. Voilà. Et comme youtubeur, c'est Simon Dasiu. C'est des youtubeurs allemands. Et maintenant je dis en français. Ma youtubeuse française c'est Natou. Et mon youtubeur c'est Cyprien. Voilà. Et elle a encore une dernière question. Ah oui, et puis il y avait encore une question. Si tu comptes faire des vidéos, par exemple des pranks ou des trucs comme ça, tu vois, par exemple des lyrics prank ou des pranks quand tu appelles, enfin voilà, des vidéos comme ça. Enfin, j'ai pas vraiment compris, mais oui, je ferai ça un jour. Je ferai des pranks, par exemple. Quelque chose qui s'est arrivé ou des trucs dans le genre. Voilà, donc à la prochaine question. Donc Aibata, ma copine, m'a posé des questions et la question c'était: quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée en ce moment c'est le vert, bleu clair, un truc dans le genre. Mais d'un côté aussi j'aime bien les couleurs pastel en ce moment, je trouve ça trop joli. Donc maintenant ma copine en fait, enfin on va dire en parenthèse, ma vie, m'a posé une question.
Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Donc, je crois que j'ai encore des questions. Je suis pas sûre, je dois regarder. En fait, j'ai réalisé que j'ai effacé les autres questions. Je suis désolée aux gens qui m'ont envoyé encore des questions. Donc, en fait, maintenant, j'ai cherché des autres questions de YouTube. Enfin, de Google. Donc, utilises-tu des post-it? Je sais pas si vous connaissez, c'est les trucs multicolores pour mettre dans les cahiers. Et oui, je m'en sers ça, j'adore. Je préfère d'être attaquée par un gros ours ou par une armée d'abeilles. Je sais pas. Par un ours. Parce que des abeilles, après, t'as plein de piqûres. Et un ours, ok, tu pourras avoir des griffes, mais c'est pas si grave. J'ai aussi des griffes de mon chat. Pas grave. Enfin, tout le monde pense autrement sur moi. As-tu des taches de rousseur? Non. Non, j'en ai pas. Non. J'ai pas de taches de rousseur. Souris-tu sur toutes les photos? Non. Pas sur toutes les photos. Comptes-tu les marches que tu montes? Oui, je compte les marches que je monte. Par exemple, à l'école ou des trucs d'un genre. Enfin, je trouve ça rigolo. As-tu déjà fait ta petite commission besoin dans la forêt? Non, je crois pas. Enfin, pas que je sache. Non, je crois pas. Lâches-tu le bout de tes stylos de crayon? Oui, je mâche. Enfin, mais pas toujours. Juste soit quand je m'ennuie ou soit quand je suis concentrée, par exemple dans les tests. Là oui. Mais que les crayons à papier. Allez, reste. Vous avez compris. Quelle taille fait ton lit? Je crois qu'il fait 2 mètres de longueur et 180 de largeur. Je suis pas sûre. Mais par contre, il est grand. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? J'ai écrit une lettre sur du papier il y a... Enfin, maintenant j'ai 12 ans. Et je crois que c'était où j'avais... 1 an. Un an et demi. Un des deux. En tout cas, j'ai écrit une lettre à ma cousine, Cassandra. Voilà. Mon sandwich préféré, c'est avec de la salade, des œufs, des tomates, de la mayonnaise et du pesto. J'adore. La meilleure chose au petit déjeuner, c'est des œufs. J'adore. Et du bacon. Maintenant j'ai faim parce qu'on parle du manger. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Normalement, je me couche à 21h, mais je me couche toujours à 22h ou 21h30. Mais jamais à... Enfin, jamais pile à l'heure. Es-tu fainéante? Ça dépend pourquoi. Mais. Non, je dirais pas. Enfin. Non, je crois pas. Non. Faut-tu parler? Je peux parler le français, l'allemand, l'anglais et mon père est russe, donc en fait je parle un tout petit peu de russe et je vais prendre l'année prochaine latin et après espagnol. Donc ça va faire 7 langues et en ce moment je sais parler 5. Encore une question, ça sera la dernière. Chantes-tu dans la voiture? Et oui, je chante dans la voiture. Donc c'est la honte. Mais je vais vous le prouver, ok? Donc maintenant, je vais prouver la question. Est-ce que je chante dans la voiture? Mm-hmm. Bien. Mm-hmm. Oui? Mm-hmm. Je crois que c'est plus tard, non? C'est pourquoi? Bah parce qu'en fait, j'ai
Je lis des questions et je dois répondre. Elle chante super. Ok, et maintenant, je vais poser une question à ma mère et elle doit répondre. Danses-tu dans la voiture? Moi? Jamais. Jamais? Jamais, non. Ok, alors, elle chante très mal et je danse toujours dans la voiture. Et encore une question. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe? J'avais 16 ans. C'était la première et la seule fois. Il y a... Et à 16 ans, bah, c'est pas longtemps, hein. Ça fait que... Attends, je comprends. 25 ans. 16 plus 4, ça fait 20. Plus 20, ça fait 24. Plus 1, ça fait 25 ans. Mais ma mère en a encore une photo dans le salon. Crois-tu au esprit? Oui. Voilà, ça c'était ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez une fois une vidéo avec ma mère, likez la vidéo. Et c'est bon, tu peux partir. Si vous voulez avoir une vidéo avec ma mère, likez la vidéo et commentez. Et j'espère que vous avez une bonne journée ou vous allez avoir une bonne journée. Et je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye!